Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021, Bayer Leverkusen Lille en Ligue des Champions. Sur ce, bon visionnage. Salut à tous, vous avez patienté tout l'hiver comme nous, vous aviez coché cette date sur votre calendrier depuis le tirage au sort en décembre. Eh bien l'attente est désormais terminée, voici les huitièmes de finale de la plus belle compétition d'Europe, voici la crème du football de notre continent, voire même du monde si on se permet d'être un peu chauvin en tant qu'Européen. Allez, savourons ce premier tour à élimination directe comme il se doit. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Tout le monde semble un peu plus impliqué, un peu plus concentré qu'à l'habitude. Vous ne trouvez pas, Darren? Oui, cette compétition semble très différente maintenant que les choses sérieuses commencent. Désormais, chaque équipe joue sa survie. Donc c'est normal que l'intensité monte d'un cran. Il y a souvent un petit round d'observation, vous savez, le temps que tout le monde prenne ses marques. On va voir ce que nous réserve ce match. Baker. Gomez. On peut dire que c'est à ce moment de la saison que les choses sérieuses commencent réellement. Et pas simplement dans cette compétition. Et oui, on a tellement vu d'équipes s'effondrer au mois de février à cause de la fatigue ou des blessures. C'est tellement vrai, ça. C'est là où on voit l'importance d'avoir un effectif étoffé. Ça ne passe pas. Voilà une bonne occasion de contre. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Lille qui essaye de construire. Il peut y aller. C'est dégagé. Van Dijk. La relance, côté droit. Chic. Il relance côté droit. Et le raid côté droit, il a du soutien. Oh, le tacle! Il récupère le ballon. Il est passé. La frappe! Parade, superbe! Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Le tableau d'affichage reste gelé, 0-0. Cette attaque n'a pas pu se développer. Gomez.
Giroud. Et le cadre se dérobe largement. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Le Bayer Leverkusen qui peut avancer. Allez. Voici Giroud. Kane. Long ballon dans le sens du jeu. L'ouverture sur le côté. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien servi. Diaby. Kane. Il était vraiment propre ce tacle. L'arbitre siffle une faute. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. La passe en retrait vers son défenseur. Minutes au chronomètre dans cette première période. Ça joue de l'autre côté. Il décide d'allonger le jeu. Gomez. Pour Ounas. Il s'est récupéré facilement. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Le gros dégagement. André maintenant. Centre. Gomez qui est récompensé de son pressing. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. Il le marque à la culotte. Mais attention, ça risque de créer des brèches ailleurs. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il allonge vers l'avant. Faut frapper là. Hey, y avait de l'idée. Gomez, va-t-il en profiter? Giroud! Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sur ce. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. J'espère bien que ça ne se terminera pas sur ce score. Ce serait bien triste. Diaby qui concède un coup franc. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre.
Kane. Kane! Il s'impose physiquement dans ce duel. Van Dijk. Le ballon s'en touche. Paquer. Et ils essaient de repartir de derrière. Diaby. Chic. Il préfère repasser derrière. Pas tellement de solutions. C'est une occasion, ça! Quel enchaînement avec cette frappe! Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Diaby. Chic. L'arbitre signale une faute. C'est joué long, attention. C'est joué long. Ounas. Gomez. Qui subit un marquage très serré. Faut avouer que c'est un joueur à surveiller de près. Sinon, on s'expose vite à de mauvaises surprises. Elle continue sa course. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il parvient à centrer. Une très grande ouverture. Ça joue long. Ça joue long vers l'avant. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. Diaby. Chic. Kane. Gomez. Il tente la frappe. Oh, ça, c'était cadré, c'était cadré. En retrait pour repartir proprement. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Un long ballon vers l'avant. Et il perd l'équilibre. Le ballon dans la profondeur. Et voilà, ils insistent dans l'axe, alors qu'à mon avis, la solution est plutôt sur les ailes. Sur la gauche. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Gomez. Ils obtiennent un coup franc. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. Ça, c'est une distance qui lui convient parfaitement. Il devrait tirer ce coup franc. Ce sera une sortie au 6 mètres. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Kane. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Le Bayer Leverkusen qui procède à un autre changement. Charles Aranguiz entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe.
Et ils essaient de repartir de derrière. Cabella. Le bon dribble. Il joue sur sa gauche. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est un peu brouillon en ce moment. La grosse intervention. Et le ballon est sorti. Touche. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. C'est joué long. Ismaili qui récupère ce ballon. Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Et il continue de progresser. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Il progresse encore. C'est parfait, magnifique. Et il prend sa chance. Allez, le centre de la dernière chance. Gomez. Il tire. Oh, quelle parade! Et l'arbitre signale la fin du match. Ça s'est joué à rien dans ces dernières secondes. La bonne opération, elle est pour les visiteurs aujourd'hui. Un vrai avantage avant de recevoir au match retour. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. On n'a pas envie de rendre l'antenne Darren, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. C'est toujours un bonheur. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.